Mercredi 12 avril sur ma chaîne Twitch, j'ai organisé un gros live de 12 heures. Dans ce live, un seul objectif, apprendre le speedrun et faire le meilleur temps possible. Le world record est de 22 minutes et 5 secondes, autant vous dire que c'est pas ce que je vise. En lançant live, je n'avais pas d'objectif particulier. Je parlais d'un top 10 français, mais sans me rendre vraiment compte de la difficulté, quoique j'en étais pas si loin. Je t'en dis pas plus, bonne vidéo. L'objectif, il est très simple. On va juste essayer de faire le meilleur chrono. Appuyez sur 2. Oui! Donc là, on va effacer. Attendez, je connais même pas les boutons de la Wiimote. Hein. C'est pour dire, on part vraiment de zéro. Hein. Aujourd'hui, on part de zéro. Hein. C'est-à-dire que moi, j'y jouais avec une manette Xbox One. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi faire. Premier petit sondage, est-ce que les modérateurs, vous êtes dispo? Petit sondage, est-ce que vous pensez qu'avant minuit, on fait le top 10 FR? Et c'est quoi le défi? C'est marqué dans le titre, Jimzo. On speedrun Mario Bros. Oui, je le découvre complètement. Et j'ai 12 heures pour être dans le top 10 français, alors que je n'ai jamais speedrun. Ok, on est parti. Vous êtes prêts? Objectif, premier chrono. Objectif, premier chrono. Je regarde pas le speedrun, pour l'instant, je vais juste tenter de faire mon meilleur speedrun possible. On est parti? Je fais ça, c'est parti! Allez! Et donc là, il faut que je fasse... Entrée. Ok. Faut pas que j'oublie mes splits. Oh, j'ai oublié le truc pour voler. Merde, j'ai déjà fait une connerie. Je pense que je pourrais le récupérer plus tard en vrai, c'est pas grave. Parce que j'ai regardé le speedrun un peu de mon côté, hein. Je vous jure que j'ai appris ma leçon. Objectif, là, je pense que déjà, objectif, finir le jeu en moins de 50 minutes, ce serait bien. Attendez, faut que je trouve un hélico. J'ai absolument besoin de l'hélico pour plus tard. C'est primordial d'avoir un hélicoptère, un louloucoptère. C'est primordial. Je joue sur quelle console? Je joue sur console virtuelle. Parce que mon jeu marchait plus. Du coup, j'ai dû installer le jeu sur EMU. Bonjour. Le speedrun est vachement agréable, je trouve, en vrai. Je vois. Attends, mais on est en speedrun ou en long run, là? C'est terrible, ce qui se passe, là. Nighting, t'es censé speedrunner, là. T'es pas censé faire de la demeure. Eh ouais, en fait, il me faudrait l'hélico. J'ai limite envie de reset. Venez en reset. En vrai, venez en reset. Non? Vas-y, on reset. Vas-y, on reset. On reset. On est parti. Let's go! C'est clair. Ouais, là, objectif, ne plus le perdre. Si, en vrai, hein. Oh non! Oh, c'est terrible. Oh là là, c'est bien joué. Non, je perds l'hélico encore. Ok, monte 5-1. Alors, c'est là qu'il va falloir être bon avec la Wiimote. Ok, j'ai vraiment... Oh, ça c'est pas mal, attendez. On va le prendre. Prends-le, bébou! Oh là là. Attendez, c'est une nouvelle strat, ça. Allez, niveau 5-3. Oh, ce niveau, il a l'air trop dur. Il a l'air trop dur. C'est juste pour avoir un chrono de... Oh, vas-y, c'est trop dur, là. Non, mais ressaute pas. Mais il est bête ou quoi, Mario Time? Bah voilà. Bah ouais, mais Mario, tu peux en vouloir qu'à toi. Hop là. Split suivant. Ok, la tour. Ok, y a rien ici. Bon, on va faire le niveau de manière à peu près cordiale. On va perdre du temps, hein. On va perdre masse temps. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est juste pour avoir un chrono. Alors, avec l'hélico, je me serais régalé, quoi. Faire. Mais... Non. Mais quel noob. Ah, mais quel big noobs. Ok. Le boss. Ah, je tente tout! Oh, non. Quoi? Merci CSB pour ton follow. Allez, mais sors de ta carap... Mais non! Je suis vraiment un flopper! Ah, je suis flopesque. Faut pas que j'oublie de mon split. Il va sauter. Et bim! Ok, je split. Ok, mon dieu. C'est bien ça, c'est un niveau qui me permet de faire une pause. Bah normalement il permet pas de faire une pause, mais... En effet, en fait ce niveau c'est même à vrai dire le niveau le plus difficile techniquement de toute la run. Mais on en reparlera plus tard. Eh, je suis dans la sauce là. Comment je fais? J'ai pas l'info là. Je fais quoi là? Je dois faire quoi? Parfait. C'est bon, ça fonctionne. On peut avancer. Ah, attendez, je me rappelle plus de ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut passer par en dessous, non? Oui, c'est ça. Là. 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 C'est ça, hein, je crois. Hein. C'est ça, je crois. Je crois que c'est ça, je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. Il me semble. Ok, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Let's go! Direction le monde 8! Ouh, peut-être le premier PB! Objectif sub 45! le pire chrono, quoi. Ok. Alors, ce niveau, on connaît pas mal.
On y a passé beaucoup de temps quand on faisait nos challenges Mario sans pièces. Donc on le connaît pas mal. Je suis pas en train de vous dire que je vais le first try, EZ, easy peasy. Non, je suis juste en train de vous dire qu'on le connaît bien. Voilà, la preuve que... Ah, ça passe pas! Ok, let's go! Le split, on est à 25 minutes! Les amis, rappelez-vous ce niveau qui nous a tant traumatisés. Il nous a tant traumatisés ce niveau. Ce niveau qui est d'ailleurs ma vidéo la plus vue sur YouTube. 850 000 vues pour un short. Après, en vrai, c'est un niveau où on peut pas aller... J'allais dire, c'est un niveau où on peut pas trop perdre de temps. Pourquoi le karma, il est instantané comme ça? Le karma, il est instantané sur cette chaîne, c'est terrible. Pour un premier speedrun, t'es grave rapide. Merci, Svio, ça fait plaisir. En vrai, c'est vrai qu'on est bien, hein. Et là, on a perdu grave du temps, hein. En tout cas, c'est pas un niveau très difficile. Vous avez vu le karma encore? Il était juste là. L'avez-vous vu? Allez, on va peut-être faire notre premier PB. Rebonjour, re-pseudo. Je secoue ma manette, ma grosse manette. Je suis en train de secouer ma grosse Wiimote. Bah alors, Knight, on fait des allusions un peu bizarres. On avait dit pas de ça sur cette chaîne, pourtant. Salut, Strikey. Ah oui, ok, ok. Allez, Bibouf, en fait. Ah, Simer. Allez. Ça va, Bébou? Ça va et toi, Fibou? Ça me fume comme vous avez la facilité à m'appeler Bébou, tous. Y'a pas, wesh. C'est pas votre Bébou, wesh. Oh, j'ai eu trop peur! Allez! Le boss final! Il va sauter, ce... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon bœuf? Mouaa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 a
Ok, c'est bon, j'ai réussi. Attention aux chauves-souris. Et attention aux chenilles aussi. Qu'est-ce qu'il fout, il speedrun ou il running gag? Ok, là faut que je sois bon, en vrai. Dégage. Oh, non. Pas grave. Par contre, ce qui est chiant, c'est les pièces. Les pièces sont considérées comme un truc sur le... Ça bouffe, en fait. Dégagez, les machins. Ok. Il y a une technique... Oui, Artistine. Je sais. Il y a une technique à faire avec l'hélico. Je sais. Mais je la tente pas encore, pour l'instant. On va la train plus tard dans l'après-midi. Plus tard dans l'après-midi, on trainera cette technique. Maintenant. Okay. Bonjour, Nighting. Salut, Kéké. Ok, time. On a combien d'avance? On a 1,58 d'avance. On est très très bien. On est très très bien, les copains. Là, on est sur quoi? On est sur un sub... Putain, mais même sub 30 direct? Non, en vrai, sub 35 déjà. Sub 35, ça sera pas mal. J'arrive pas à faire ce niveau dans le noir pour l'instant. Je veux pas vous le cacher. En fait, si, j'y arrive. C'est plus loin, je crois. Non, c'est pas plus loin. Ah, mais... C'est pas grave. Ok, c'est bon. Non! 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 J'ai voulu courir! Et j'ai fermé les yeux! Je vais attendre. Voilà. Ok, time! On a une minute d'avance, hein. On a quand même une minute d'avance. This way! On progresse très vite, je trouve. Après, c'est comme ça, hein. En speedrun, on progresse souvent très vite. Après, ça se calme au bout d'un moment. Il me faut un objet, please. Ok, je joue safe, hein. Je joue ultra safe. Cours! Ok, je pense que j'ai fait ça pour rien, mais c'est pas grave. Ok, je joue safe, hein. Alors, j'ai peut-être gagné un peu de temps, en vrai. Ah, il faut... ah, mais l'étoile, ici, elle vaut pas le coup, dans ce niveau-là. Elle vaut pas le coup, l'étoile, dans ce niveau-là. On va pas la prendre. Ah, bâtard. Pas mal, les bzaises. Pas mal, les bzaises, en vrai. En vrai, ça me fume, parce que le contexte est juste insane de pas mal, les bzaises. Genre, le mec est vraiment arrivé sur un live, et il a lâché pas mal, les bzaises. ça me fume de rire en vrai. Oh, il m'a fait peur lui. Non. Let's go. J'ai le droit de te souhaiter ta mort dans le jeu. Ah bah si t'as voté contre moi, je comprends, hein, t'inquiète pas. Hein. Je pense que tu vas battre ton PB. Bah là on y va tout droit là. Hein. Est-ce qu'on peut sub 30? Je pense pas qu'on puisse sub 30 en vrai. En vrai sub 33. Hein. Sub 33 largos en vrai. Hein. Ok, je me focus un peu. Hein. Le chat m'en voulait pas trop. Ya. Yeah. Hop là. 2 minutes 32 d'avance. Allez, vamos. Vamos chicos, vamos chicas. On y va maintenant. On y va maintenant, on va essayer d'aller vite. Vite, mais saute. Il est fou ce Mario. Non. 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 Oh, c'est bien joué ça. Je sais pas s'ils le font dans le speedrun, mais... par contre, faut pas que je me fasse hit ici. Ok, oh, c'est no hit ici. Focus. Focus, Knight. Ça va jamais partir du bon côté, donc attendez. Paf. Voilà, on va attendre que lui revienne. Et bim. Tu bouffes. 16, Bowser Jr. Oh. Ça touche. Ça touche. Let's go. Oh, j'ai eu chaud. On est sur un château de Bowser. Très bien, c'est super la glissade ici. Je suis speedrunner ou quoi là? Let's go! Let's go! Allez, let's go to be the goat. On prend rien, on prend rien. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ouais, sub 35. Ya! Yeah. Oh, j'étais nul. Oh, je suis un noob! Ah, putain. Pas top. Pas top le combat Bowser là. On va PB, hein, c'est sûr, mais. Après ça, on va aller jusqu'au niveau 5-4, d'accord? On va jusqu'au niveau 5-4 et on s'entraîne à faire ce qu'il fait avec l'hélico. Ça va me faire gagner un temps fou, genre au moins 2 minutes, non? Viens maintenant? Avant que... Allez! Allez, envoie la sauce en fait, Bowser! Non! Ça a pas marché, je vous jure! Ça a pas marché! Oh, je vous jure, j'ai fait flèche du bas! Ah, c'est mort, Nang!
Oh non, oh non. Je vous jure, ça a pas marché. J'ai fait ça, là. On m'a vu glisser, en plus, comme une chèvre. Ah, oh, quel nul. Mais bon, après quelques tentatives, j'étais de nouveau au boss final. Allez, let's go, Knight. Tu peux le faire. Qu'est-ce que tu fais, Bébou? Bowser, réveille-toi. Il est bête, ce Bowser. Bête. Il va sauter. Il va pas sauter. Il va sauter. Ouah. Let's go! Allez, sub 33. Allez, le sub 33 pour la Nighting Baby! Pourquoi cet accent, Nighting? Attention, j'ai touché le sol. Voilà, on va plutôt faire ça. Attention, il faut être en hauteur. Non! Oh merde, je regarde pas, putain, je regarde pas. Je suis pas stressé, mais putain, c'est juste que la moindre erreur est fatale. Mario, et no joke, POV, POV Mario, ce moment c'est le moment le plus stressant de sa vie, sans blague. Time! Ah, 35-47, on aurait pu faire tellement mieux. Mais c'est time! Bon, Pibi! Ça va, sub 36, c'est cool, on bat notre record. Bon, on avance petit à petit. Le sub 35 n'est plus très loin et je fais encore beaucoup d'erreurs dans ma run. Je pense que c'est le moment d'enfin vous parler de ce fameux niveau 5-4, le plus gros cut de la run. De base, le niveau est sur une plateforme mouvante, très lente, avec des ennemis qui vous tombent dessus. Mais avec l'hélico, il est possible de complètement ignorer cette plateforme en passant au-dessus. Je te laisse sur ce petit moment de galère d'abord, et ensuite vous verrez ce qu'il faut faire vraiment. Ok. Alors, à partir de là, je fais une save. On va pas regarder le speedrun tout de suite, on va tâter un peu de nous-mêmes. Alors là, il fait quoi? Bah, il fait pas ça, déjà. MDR. Je crois qu'il fait un truc comme ça. Ouah! Nong! Ah, Nong! C'est super dur ici, hein. Ah non, c'est pas bon. Et ici, je vais jamais arriver à Régu, hein. Oh, fallait que j'aille sur le bloc. Oh, vas-y. Oh. Witch. Oui, c'est réussi. Bon, ok, ça c'est cool, mais pas question de m'arrêter sur cette petite victoire. Je voulais réussir cette strat plusieurs fois d'affilée. Allez, il faut que je le réussisse deux fois d'affilée. Si je le réussis deux fois d'affilée, je serai rassuré. On prend notre élan, on saute, maintenant. Deux fois d'affilée. Let's go. Ah, j'ai fait tard. C'est bon, trois fois d'affilée. Oh, le boss. Ah, les gars, non mais là, si les gars, vous pouvez... Si là, les gars, vous me dites pas que c'est régu. Quatre fois d'affilée. Ok. On est reparti. J'aère un petit peu. C'est surtout pour prendre de l'air frais un petit peu, parce que là, je sens que j'ai un peu mal à la tête. Ah, c'est pas trop pour l'odeur du gamer. L'odeur du gamer. Et voilà, je suis reparti pour tenter des runs. Je galère pas mal à garder l'hélico pendant le monde 1, et puis la bonne run arrive. Enfin, presque. Allez, objectif, garder l'hélico jusqu'au niveau 5-4, et tenter cette strat. Quand je prends plus de plaisir, je trouve que c'est plus la peine. Non, c'est bon. Ah! Wouhou! Je sais pas si elle peut me faire perdre de la vie. Ça, j'avoue que ça me fait panicax. Non! Putain! La salopette, quoi! Eh ouais, je perds mon hélico avant le niveau 5-4. Mais je sentais que je pouvais le déglingue, mon PB. Alors go! Hop, hop, hop. Ah, mon split. Hein. Ah, dommage par contre de se prendre là. HP, où t'es? Non! Ouais, maintenant. Ok. Et pour ça, d'abord, il faut que je vous prouve que j'ai un minimum de skill. Oh, ils sont directs! Oh, la bonne RNG! Oh, la bonne RNG! Non! Mais non, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il l'a fait plein de fois? Je vous jure, pourquoi il l'a fait plein de fois? Le vrai problème, c'est que si tu paniques et que tu bouges un minimum la manette, le mec, il s'envole. Voilà, il s'envole. Mario s'envole. Non. Ah, je suis mort. Bon, bah, je suis mort. Putain! Ah, je suis trop deg de pas pibi là-dessus. À
À ce moment-là, je devais être à quelque chose comme 5 heures de jeu. La fatigue arrive par moments. Mais je ne lâche rien, je me réentraîne un peu à ce passage et... Oh ! Il a fait deux fois ! Et je refail au boss final. Mais j'ai le droit au bonheur ou... Mario time! Ah. Oh là 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 là! Ok, let's go! Le sub 31 est fait, mais mon objectif, lui, n'est pas encore accompli. Alors j'y retourne. Je sais qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être sûr de faire sub 30. Ce niveau 5-4. Je ne l'avais toujours pas réussi. J'ai passé presque une heure rien que sur ce niveau à m'entraîner à l'heure aiguë. Et je sentais que je pouvais le faire. On est à 9h30 de stream d'affilée. Le tryhard devient difficile, mais je ne voulais rien lâcher. Puis en pleine période de... Bah, c'est bien, c'est difficile. Ça fait plusieurs fois que tu passes, donc merci. C'est un plaisir de soutien. Tchouch! Paf, paf! Talk French. It's not... It's very good. Il y a énormément de kebab qui va d'ailleurs se manifester maintenant dans le chat. Ici. Je sais pas à quel âge j'ai commencé à regarder de live Twitch en vrai. Kéké, des fois il pense Twixos. Ah, c'est terrible. Merci à toi, Eleona. Merci énormément pour le soutien. Putain, je fais n'importe moi pendant ce temps. Topé un petit peu avant pour moi en fait, parce que. Non! Oh là là. Trop nul. Avec JB. Ok, reflow. Putain les gars, je suis bon. Putain les gars, je suis bon. Allez. Non, 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 non. Putain les gars! Got it, let's go! On s'excite pas. Merci pour les GG les gars, mais tranquille. Tranquille, comme dirait Kylian. Tranquille, tranquille. Ah, y'a le cutscene. Je sais pas pourquoi j'ai porté mes couilles ici. Je sais pas pourquoi. Moi je peux faire ça, ça me rassure en vrai. Faut que je juste. Bien sûr. Non. Oh là là. Oh ce move. Putain, mais un maximum de GG dans le chat pour Breton qui vient de faire un tips de 25. D'ailleurs, vous êtes des boss, hein. Putain, il faut que je branche mon casque en plus. Je branche mon casque à la cinématique. Ok, let's go. Pour lâcher ton putain de pipi. Allez. Il est sur... Truc. Putain, le salaud. Ah ouais, j'avais pas capté que c'était lui. Ah ouais, donc du coup, je peux le dégommer hyper vite. Oh le bug. Oh le bug, vous l'avez vu. C'est pas vous, hein, c'est moi. Et on y est. Le sub 30. Et je parle pas du sandwich Subway. Ok, c'est un flop. Mais le record, lui, il est à portée de main. Vais-je le faire? La réponse dans quelques instants. Vous me demandez quoi? Mais ouais, non mais what the fuck, fur quoi. Allez le chat. Allez, il reste Night, il reste une minute à tryhard. Merci Thomas pour les beats. Ok, je suis désolé, je me focus les gars. Je passe en ultra instinct. Je passe en haut ici parce qu'il m'a trop souvent fait le traquenard. Tant pis, je perds du temps mais c'est pas grave. Je passe par en haut. Merde, je fais de la merde là. Pas grave, allez. Il a déjà tout dégommé en haut, faut que je passe en haut encore. C'est en haut que ça vaut le coup. Allez, on s'en fout là.
Allez, please. C'est good. Allez, on y est. À partir de maintenant, c'est que du skill. Tout à l'heure, j'ai failli mourir. Hein. Donc on fait gaffe quand même. Allez, doucement, Knight. Oh. Je joue pas très bien. Je suis parfaitement conscient. J'arrive, mon bébou! J'arrive! J'arrive, mon bébou! Oui! Oh, let's go! Let's go! Le sub 30 est réussi. 10 heures de live. C'est ce qu'il m'aura fallu pour l'atteindre sur ce speedrun de Mario Bros. Wii. Lorsque j'ai réalisé ce challenge, je me suis retrouvé à 3 secondes du top 10 français. Au moment où je tourne cette vidéo, d'autres français ont posté leur temps. J'ai amélioré mon record, je suis à 27,50 et pourtant, ben, je suis toujours top 11 français sur speedrun.com. Entre les nouvelles runs postées et des mises à jour des anciens runners, il va falloir que je me surpasse pour passer ce palier du top 10. D'ailleurs, n'hésite pas à passer sur Twitch car je continue à speedrun le jeu en dehors des vidéos, je suis absolument tombé amoureux de la pratique. Je t'invite fortement à t'abonner et à liker cette vidéo, c'est tellement important pour moi et pour mon soutien alors que ça vous prend littéralement 2 secondes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Nighting, bye bye.